par rapport à Yako Otojo vivre le monde. Tu veux toujours en avant. S'il y avait des mécanismes, on pourrait étudier tout cela. Au lieu de vivre, etc. Il y a des moments dans cette année. Alors, nous pensons que cette fois vraiment que l'État va prendre ce problème en charge pour mettre des mécanismes d'alerte. Ces mécanismes vont être permanents. Parce que c'est récurrent, ça devient pour le côté collègue. Oui, général, ce que nous déplorons, surtout nous les femmes, parce que moi personnellement, ce que je vis, les images qui m'ont bien choqué, ce sont les images de la femme qu'on était en train de dire. Et les questions n'étaient pas directement liées à cet événement. C'est lié à autre chose. Pour moi, je me dis que cette femme-là a subi l'injustice. Il posait des questions à cette époque. Il y avait des journalistes. J'ai encore des images. En tout cas, je garde encore les images. Il y a des journalistes qui ont touché sur ses cheveux. Zasukinayo, c'est tout ça. Je ne sais pas, mais c'est un traitement dégradant. Yo ou bien yo te? Yo, moi, c'est mon ancien. Ah, et bon, bah, oui. Yo, c'est mec qui n'a. Yo, non. Hein? Bino? Yo, non. Yo, moi, c'est mon ancien. Yo, non. Bon, yo. Oh, y'a qui n'est traitement. Ah, bino, bah, malade, là, moi, c'est une Yohana. En tant que femme, et nous constatons qu'il y a plus ce genre de vidéos que nous voyons sur les réseaux sociaux, je ne sais pas pourquoi. Et souvent, ça se passe ici, parce qu'on voit des images. Ça se passe souvent ici. Je crois qu'il faut essayer de changer le système, parce que ça ne manque pas le pays. Il n'y a pas que la RDC qui fait ça, il y a d'autres pays aussi où on voit ce qui se passe chez nous. Donc, s'il y a moyen de corriger ça. Mais aussi, ce que nous avons recruté, c'est le pillage fait par les agents de l'ordre. Parce que là-bas, en tout cas, moi, je ne parle dans les vidéos que je n'ai pas vu les civils piller la maison de Mandantine. Mais je vis des policiers porter de bien de Mandantine. Ça m'a vraiment choqué. Mais je crois que la prochaine fois, même pas pour les Mandantines. Oui, des fois, on a vu le corps. Parce que ce n'est pas la première fois. Il est en train de déplorer ce qui s'est passé d'abord avant, parce que là on avait apporté et des kiffes et même des baignoires. Et c'est ce qui vient de se répéter. Ça n'a pas. Balandi ya DMTV mbote tozane sengo ya koyeba ke bozali ebele ou bozali kolanda biso na ngonga oyo actualité boyebi ezali kaka dominé na maladi oyo ya coronavirus oyo ezali vraiment kotungisa mokili mobimba et spécialement pe République démocratique du Congo et pa iwapi tokoki koloba ke to atteindre barre ya 400 cas confirmés. Toko kite ko lekisa sango ya maladi wana sans ko senga na bino boye bana komi e batela parce que jusqu'à ce jour prévention kakande leki efficace contre maladi wana tu bana ko continuer ko respecter ba mesure barrière pour to couper chaîne wana ya transmission actualité na politique na kati ya mboka na biso boye bike ezali pe lesusu makasi ezali dominé na ba affaire belo ezali na niveau ya justice. Ezali pe lisusu dominé na arrestation ya Nemwanda Nsemi de son vrai nom Zachary Badiengila oyo police ameta ki fin na folie de
grandeur naie pe ba kanga ki etoloba se randa ki a résister ki te poza ki na makoki ya ko résister pété poété boyebi que la force reste à la loi ne moins dans ces mia se comporter ma bien ami colonio sur leki ba tu belé bazali pe komi tout na soki problème naie zali peut-être na niveau ya mututé. Nous sommes sérieux lorsque nous disons cela ezali na ndenge ya ba jeté na ndenge ya kosakalanté et qu'il était peut-être important ba koka ko examiner na ba mingangao batalaka makambo ya mutu parce que tokoye ko comprendre te certaines déclarations ou azala ki kosala vraiment tozali ko mona ke ezala ki lisusu kaka te ndenge toyebela kaye vraiment kala parce que c'est un intellectuel sérieux nga na landa yemingi avant même kaka ko comme député. Donc c'est quelqu'un un homme très intelligent ou sokaza ko expliquer yo ba makambo na surtout par rapport ya ba origine ya ba noir ba royaume Congo wana sokaba ni ko expliquer yo. Donc tu sens que c'est quelqu'un qui a beaucoup lu, qui a de la matière, mais malheureusement a sapé gourou. Donc Bobby Kaka na secte na wana bundu dia Congo ne moi na temi a exposé batu ebele a bomisi batu ebele par ba agissement na ye to moni que d'ailleurs gouvernement pe ba konzambo ka ba réagir nden na retard. Il a fallu que batulisu au moins 15 morts ou 14 morts parce que ba autorité ba pesa ki chiffre à 14 morts, mais selon la société civile na niveau à Songololo par exemple ba salaki état il y a 15 morts lors des derniers affrontements et salema ki na Songololo entre police na batu ya niye ne monde entier mais batu ya bundu au dia à Congo. Et donc bato nyonso wana ba kufi ezali po na folie ya ye ne monde entier mieux à comment il se comporter vraiment loko la chef ya milice moko na kati ya mboka alors que la force doit rester à la loi. Mais autant tozali ko déplorer attitude ya ne monde entier mais attitude na ye séparatiste ya lingi ba non originaire ya Congo central te ba koka ko bima kuna bazali susu te autant pe singeli na biso te ba ko dénoncer pe ko condamner attitude pe comportement ya ba policier oyo bakenda ki lobby na résidence na ye na ma campagne na quartier Joli Park exactement na avenue haute tension pour que ba koka ko appréhender ye après ko kangane monde entier mi to assister na spectacle moko ezala ki désolant pe sali soni na image ya police na biso oyo e poussé biso to mi poser ba question belé en tout cas ba image ya pillage ya systématique ya ndako ya ne monde entier mi vous savez déjà que résidence na yone ezali nanu inachevé si lisa yango te yango certainement zai ko réclamer mbongo na ye bazong cela mbongo soki pe l'état zai ko devoir ye mbongo probablement peut-être pour a finaliser ba travaux il y a résidence na ewana ya ma campagne ndaku na ye mais to monique police ba pillé systématiquement ndaku na ye ko bimisa ba kiti na ye voire même ba ndungu ba matela ko kende nango ba scène wana auto vivre aux populations azala ki impuissante azako tala kaka stupéfait azo kamwa ezala ki koleke la batu boebi ke tozali na air ya internet information ezako circuler à la vitesse de la lumière policier aza même pas ko se gêner ko même alors que bazo kangaye na photo arme na mopandi na lipeka pe na motu a memi kiti sali soni makasi to mituni acte ya bopola nini rappelé biso ba pillage de triste mémoire ya 91 pe ya 93 awa na kati ya Kinshasa ba pillage e sala ke kino lelo Congo en général et tellement les sous-souté après yango parce que ba société belé kangaka pe ba société belé tomba en faillite ba tu e belé ba kotaka vraiment na chômage et pe ça passe et rappelé biso image Joanne Sali passe et tous allez quand même qu'on se posait question Tommy Tuni est-ce que Pia Joanne ou Salemi est-ce que Zala qui prémédité. Bien sûr, Tolandi, chef ya police numéro 1, général Kasongo. D'ailleurs, population a ovationaki pour na musala ki toko ba sala ki ya kokanga. Ne monda anse mais parce que ba voisin na ye ba bavanda ki ntinga na ye ba koma ki traumatisé par ba agissement na ye pe sécurité na bango sala ki vraiment remise en cause likolo ya citoyen moko congolais ali justiciable comme tout le monde mais à se faire pomba yende sengeli batu babanga ko iko se permettre ko finga mokonzi ya mboka ko finga ancien président ko ganga ko iko se permettre ko lobaka ko benga na batu na Congo central bakanga kayete l'été temps batu basepeli
ba beteli général Kasongo maboko mais image ya ba policier tomoni baza copier to mituni soki ezala ki prémédité te soki ezala ki te parce que la police est joki pe tellement kanda makasi ki a chaque fois baza ki ko s'affronter na ne monde entier mais peut-être baza ko pesa bango ba ordre te ba en finir naye et ko narguer pe ba tu ya bundu ya Congo baza ko narguer police et pesa ki bango kanda au point que comme ba yeba ki ba jouer ngola munene singe qui va se comporter modèle ou en est-ce que ça là qui prémédité prémédité aussi pourquoi nous le pensons toujours mituna est-ce que pillage ou en est-ce là qui peut être quelque part pour salir image il y a mon contambo kalelote Félix Antoine Tshisekedi de lui que ce qui est là que ça les mis bavure et ça les mis na police mingi mingi ben indexa comme contambo kawa zali na pouvoir bozoye ba même tant que ba affrontement salama entre ba depth ya bundu dia Congo par exemple na Kimpeso ba tobele ba kufaka Joseph Kabila kombone zaki kotanga ma d'ailleurs baloba ke massacre wana eza na mutu ya Joseph Kabila tout ça est-ce que o isalami na ba police zala ki prémédité te zala ki préparé te par ba tout mususu pour que lobby baloba ke ba ndosé yango na mutu ya Félix Tshisekedi donc ba tia yango na mutu ya Félix Tshisekedi c'est possible pour la nini peut toujours kanisa bongo parce que ezali première fois te bakanga ne monde entier bobi ke ne monde entier bakanga ka ya kimaka azala ki fugitif te aki ko apparaître avec olenga nkoyo asali ke abima ayeko ya na avènement pe ya Félix Tshisekedi Tshilombo mais à l'époque ezaki général Kanya Mao basala ki ya sona ndaku na ye pe bakanga ki to viva ki scène ya boete police abima ki tranquillement pe bouja ki biloko ne monde entier mité alors pourquoi na tango ya général songo esali lolenge esalami nde question tozali komituna pona nini ba policier wana ba se permettre copier alors que ba yebi bien ke ba ko filmer bango bien sûr général Kasongo alobi que ba kokanga ba policier wana baza na recherche na bango ba vidéo ba photo ezali ndenga lobi mais lorsqu'il dit que ba na recherche na bango ça veut dire que ba kangi bango na nte ça nous étonne ce sont des éléments qui ont été associés na na mission wana ya rokende kokanga ne monde mais donc tous les policiers qui ont été dans la 4e mission on a baillé bani donc les alliés battu à convocaté pourquoi les alliés colobaque ça que ça la recherche ya bato wana bro ça ba recherche te puisqu'ils sont connus et donc il suffit qu'a bo soigno surtout bo déployer qui na terrain bo comparer kaka na ba photo et puis bo kangi bango pe bo présenter bango ndenge bo mesana ko présenter bato à la presse o ya koloba modèle wana nde to moni yango le sous vraiment suspect ça les kotali ça que peut-être que c'était prémédité c'était préparé pour que makambo ko rosale malolenge salami et c'est vraiment triste et ce que zali na hypothèse ndenge tous ko kanisa bongo soke zali pe bongo zali vraiment ma wa esengeli na chef de l'état pe akoka kobwaka mwa liso kote wana en tout cas ba element wana bazala réellement sanctionné pour que ba pe sa exemple na ba misusu ba ko se comporter bongo te wana et soulever pe le soso problème soso yo to lobela ki yango déjà na moko ya sujet na biso na yo etala ki recyclage na ba force de l'ordre en général to zo mona wana na ba na armée na police to ko kende même plus loin na force même na ba service le rôle ya ba nerf wana intelligence c'est singulier vraiment recyclage ça mama kasi parce que visiblement ba acteur rebelle au bazali na ba service wana bazali parfois ko yeba kate nini mission na bango nini singulier ba sala nini ba koyiko sala te il est vraiment important que ba koka kozonga na ba fondamentaux ba la kisa bango bazonga na ebandel parce que un policier qui se comporte en modèle wana est très dangereux il s'est comporté en bandit vous imaginez azali na mundu ki o ya république que au contribuable congolais bimsarambongo pour que ba sombela ba doté même na tenue au yazola tawane et puis même na arme au zo même et donc soulever les sous questions en obiso to lobela qui déjà ya ko recycler ba soda na biso pour que ba koka ko sala remise à niveau ba mata ba koma na niveau moko appréciable pour que to vivre ba bavureté ya genre to za monaka donc pas plus tard qu'il y a 2-3 jours bo yoka ki sous policier moko aboma ki motuka ka pona likamba ba contrôle ya ba masque oui. C'est vraiment triste on les a relâché ça que il y a un besoin sérieux il y a recyclage na côté à ba force de l'ordre na biso to comme na souka na sujet na biso to linga ki to partager quand même moi réflexion yo sur triste événement au salima ki na sima ya rokanga ne monde entier mais pillage systématique ya ndako na c'est inacceptable shoginga na zali ne monde entier mina ba conseil na ye il faut porter plainte contre la police
porter plainte vraiment contre numéro 1 à police parce que Yende Azali sur le terrain, Yende Azali responsable. Vous savez que Jean-Pierre Bemba, ça là qui 10 ans dans ces pays, Zatepoya Azali dans Centrafrique. C'est parce qu'il y a Azali qui chef hiérarchique, il y a Basouda Wanaï. Donc, mais il faut qu'on porte plainte contre Mokondi. Il y a des éléments où il y a des pillages pour que vous remettre les peines à droit. Parce que il y a des infractions où il y a reproché. Mais il est jusqu'à ce jour, il peut présumer innocent puisque il est condamné sur base d'un jugement. Et donc, à Koki, qu'on porte plainte ceux qui a se sentir lésé. Il y a des qui ont commis vraiment dans ce cas. Il y a des éléments Nabiso. Si vous avez des éléments, vous avez un like. Et si vous avez un abonné, vous pouvez cliquer pour vous abonner. Vous pouvez mettre la cloche pour vous apparaître à côté. Cliquez wana ou vous notifier dans la prochaine vidéo pour mettre en ligne. Bobo Sanate, vous avez toujours la crise sanitaire mondiale. Vous continuez à vous abonner. Coronavirus, vous atteindre déjà barre. Il y a 400 cas confirmés. Sengeli Nabiso, Tomi Bate, la tozo yango très au sérieux. Port ya masque est obligatoire. Tolata yango na monique mingi baza en habitude. Ya rozo a masque yango kotia na poche. Donc, moutazo tambla na masque kaka po policier soit kangi 5000 francs kokende. Za vraiment ma wa congolais tolingi ko kate. Toza vraiment kozo a ma kamunyo soto à la légère. Donc, moutazo tambla na masque po policier kozo a 5000 francs. Ou la tate na yango na poche. C'est vraiment triste. De cette façon, que te recombattre maladie wana parce que nous avons rappelé que qui si est encore plus efficace pour la maladie wana et zali kaka prévention. Merci beaucoup DMTV et souhaitez bino mukolo et lamo pe au revoir. Il y a un très grand changement. L'image de la police est en train d'être redorée. Telle brebis galeuse se comporte très mal, s'en prend à des paisibles citoyens, surtout que nous sommes à l'âge de la communication à travers les réseaux sociaux. Vous faites venir, vous blâmez. Et monsieur le président, il faut sanctionner, vous sanctionnez. Croyez-moi, ce n'est pas pour vous flatter. Ça remet la police dans le cœur de nous, les consommateurs de services de cette police. Et nous, ça nous donne une certaine fierté. Nous avons échangé avec l'un de vos collaborateurs qui était très courtois et oui, nous avons très bien échangé. Vous avez toutes les raisons d'être fiers de lui. Il a bien communiqué avec nous. Mais ce qui nous fait mal en dehors de ce que vient de dire l'honorable Nelly, élu de Songololo, où il y a eu un massacre l'avant-hier, c'est que... C'est pas l'avant-hier, il y a 400 jours. Il y a 4 jours. Ouais. Ce qui nous fait très mal, justement, c'est les dérapages. Le colonel qui nous a reçu tout à l'heure dit qu'on aura pu comprendre lorsqu'il y a un assaut de ce genre-là, il ne manque pas de dérater. Mais nous voulons attendre les îles dans la lancée, justement, de redorer cette image de marque de la police, que le plus rapidement possible, que ceux qui se sont illustrés dans ces actes-là soient identifiés et sanctionnés, ou au besoin même, être traduits devant la justice. Et malheureusement, il y a le confinement, mais que ce soit diffusé, que tout le monde voit, non, tel policier, vous vous comportez très mal. L'état de droit, ce n'est pas seulement pour les civils, mais y compris pour les policiers qui se comportent très mal, nous voulons attendre cela. Et aussi, merci beaucoup pour la libération des enfants, parce que nous étions là avec une journaliste qui a vu des enfants 7 ans, 5 ans, qui sont emportés. C'est plusieurs parmi ceux qui sont arrêtés, mais étaient là que pour recevoir des soins. Mais ils ne sont pas des maquisards. Si, et le fait que vous puissiez accorder, qu'on puisse les libérer, merci beaucoup, ça contribue encore aussi à redorer l'image de la police et aussi à nous honorer, nous qui venons vous voir, que nous ne sommes pas partis et rentrés brebis, non, au moins nous avons pu obtenir cela, c'est très important. Mais nous voulons aussi vous demander, pour les femmes, toutes les femmes qui sont là, voyez, nos mamans, nous avons des épouses, nous avons des enfants, les conditions dans lesquelles, si nous les hommes, nous pouvons supporter un jour, deux jours, mais pas prendre
Oui, ben, mais pour les mamans, vraiment, si on peut faire diligence, qu'on les libère pour qu'elles soient dans les... Surtout qu'elles ne sont pas très actives dans ces sens-là. Mais aussi, nous avons été appelés, nous étions tous là, par des personnalités, même des députés, d'autres provinces et d'autres qui sont ailleurs, qui sont indignés que même mon enseigne soit humilié à ce niveau. Soyez rassurés, nous ne partageons pas tous forcément ce qu'il fait. Mais c'est un homme, c'est un compatriote. Même Ben Laden, même Saddam Hussein ont été traités dans des conditions humaines avant leur jugement. Qu'on les voit en train d'aller se soulager, qu'on les filme. Et ce film, maintenant, ce sont les policiers qui ont réalisé cela. Nous sommes tous éliminés. Et nous ne voulons pas vraiment que ces actes-là continuent à se perpétrer, qu'on les traite avec dignité. Mais aussi, nous savions le fait qu'on l'ait amené à l'hôpital. Némo Nansemi, c'est notre frère, c'est vrai, mais il n'est pas forcément le porte-parole de toute la communauté. La communauté a des problèmes. Nous, nous sommes des élus. Nous sommes les personnes attitrées, justement, pour être les porte-parole de notre communauté. Il y a des problèmes, il y a des façons de traduire cela. Donc, soyez rassurés, c'est vrai, il y a certaines motivations de son combat en dehors de ce qui est purement privé. Qui est normal, qui est normal aussi ces revendications-là. Mais pour les revendications communautaires, nous pouvons les partager, mais nous savons comment les exprimer. Donc soyez rassurés sur ces points-là. Mais quand bien même d'autres pourraient rester les 45, qu'ils soient traités de manière humaine. Nous avons salué le fait que si nous étions indignés, on a vu qu'ils étaient sous le soleil et puis entassés. Au moment où on est en train de lutter contre le Covid, s'il vous plaît, qu'on voit comment les traiter de manière plus digne. Qu'est-ce que cela quoi.